Arrêtons-nous un instant sur une nouvelle manière de frauder, inventée par un candidat au baccalauréat d'Orléans. Pas question pour lui d'employer les vieux trucs du genre anti-sèche dissimulé sur les poignées de chemise ou encore formule inscrite dans le creux de la main. Non, ce jeune homme et sa petite amie avaient décidé d'utiliser le dernier gadget à la mode, c'est-à-dire la CB. C'est Marcel Tria qui a reconstitué pour vous cette combine pas comme les autres. Regardez. Alors, Roumanie, 237 500 km². Population totale, 22 millions d'habitants. Population active, 10 millions 35. Qu'est-ce que tu veux, là? Les productions? Oui, agricole et industrielle. Alors, céréales, 20 millions de tonnes, dont 6... 20 millions de tonnes. Ok, vas-y. Il y a 6 de blé et 15 de maïs. Ça t'attend, pas si vite, pas si vite. Ok, vas-y. Est-ce que t'as tout compris? Ouais, j'ai tout compris, ouais. Bien sûr, j'ai légèrement passé l'âge et Dominique Thiers, c'est beaucoup trop honnête pour se prêter à une telle supercherie. Mais enfin, c'est à peu près ce qui s'est passé avant-hier aux épreuves du bac B au lycée Jean Zé d'Orléans. Le petit malin était un cibiste fervent, il disposait d'un émetteur-récepteur à peu près gros comme ceci, de deux petits écouteurs dissimulés dans une chevelure évidemment beaucoup plus abondante que la mienne, et d'un micro gros comme un noyau de cerise caché par un foulard. Dans une voiture garée dans une rue des environs, sa petite amie complaisante disposait de tous les ouvrages nécessaires pour faire face à n'importe quelle épreuve d'histoire géo du bac B. La triche était presque parfaite, presque seulement. En effet, il y avait une faille. N'importe quel cibiste de passage dans les environs pouvait entendre lui aussi le dialogue, et c'est ce qui s'est produit. Manque de chance, le cibiste indiscret était aussi un citoyen très à cheval sur les principes. Il s'est donc aussitôt précipité au rectorat, où il a tout raconté. Quelques minutes plus tard, le petit tricheur était démasqué, à cause aussi de sa chevelure tout de même un peu trop abondante et de ce foulard plutôt insolite par ses chaleurs. Il lui en coûtera 5 ans d'interdiction de bac, mais est-ce vraiment une punition? Ça lui permettra en tout cas de réviser soigneusement pour pouvoir affronter la prochaine fois les épreuves du bac B sans accessoires.